Chers téléspectateurs, bonjour. J'espère que c'est la grande forme chez vous. C'est l'avant-dernier numéro de la semaine en compagnie de Savoir Vivre et surtout en compagnie de notre invité Mousse. Dire. Waouh, c'est quoi ce style-là? C'est toujours vraiment un nouveau style? C'est toujours dans le fashion. Là, aujourd'hui, les téléspectateurs voient très bien que vous êtes très très bien habillés. Donc, c'est ça, on essaie de... Comme le week-end se prépare. Ben oui, c'est ça. Là, je suis venu décontracter. Oui, c'est un décontracté chic, c'est voilà. Comme ça que ça s'appelle. Yeah. Alors, les nouvelles aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on va parler des artistes. Oui. Parce que c'est notre sujet phare. C'est mon domaine. D'accord. Et c'est ce que je fais depuis que je suis petit. Oui. Donc, tu as commencé à quel âge? À 12 ans. Waouh, c'est vrai que c'est très tôt. Hein. Ouais. D'accord. Donc, ça fait beaucoup d'années. Donc, il faudrait qu'on respecte notre travail. Il y a des gens qui sont improvisés artistes. Donc, même quand c'est improvisé artiste, une fois qu'on est dans le show, dans le bar, voilà, on apprend derrière. D'accord. C'est comme quelqu'un qui s'est lancé et puis qui ne sait pas bien parler français. Le soir, il fait des coups de rattrapage pour essayer de rattraper Mais il faut un peu avoir surtout cette humilité-là, parce que quand ils sont connus, ils ont du mal à montrer qu'ils ne savent pas. Moi, j'en ai rencontré qui ne savent pas du tout s'exprimer. Et donc, je pense qu'ils gagneraient à pouvoir se former, à apprendre et tout ça. Parce que quelquefois, dès qu'ils ouvrent la bouche, le manager a peur et tout ça, bon, c'est pas très évident. Eh bien, chers téléspectateurs, on suit ce sujet qui nous a été proposé par Mousse. Et puis, on vous retrouve, comme vous le savez, avec beaucoup de plaisir. A tout de suite. Yeah. Pour de nombreux artistes, la finalité dans leur carrière est de pouvoir passer à la télévision, se faire connaître par le truchement de leurs différentes prestations scéniques. La célébrité voulant, certains ne poussent pas leur curiosité plus loin que leur passion. Au cours d'interviews, l'on est souvent surpris par le langage et le manque d'instruction dont font preuve certaines stars. On se demande alors, savoir chanter n'est-il que le seul attribut de l'artiste qui veut être respecté dans sa corporation ? Un artiste est comme un ambassadeur de la culture de son pays et doit savoir mettre à profit ses talents dans tous les domaines. Si la passion de chanter est ce qui vous distingue des autres et vous fait être adulé, il est regrettable que votre façon de vous exprimer indispose ce public censé vous respecter. Sachez en réalité que ce public a besoin de voir ses icônes instruites et capables d'honorer leur art. Voilà, Mousse, on a suivi le reportage. Voilà, hein? Voilà. D'accord. Donc, ça veut tout dire. Oui. Hein? Quand on voit ça, on comprend que tout s'apprend. Voilà. Tout s'apprend. Moi, je ne savais pas faire des clips vidéo, je ne savais pas faire des films. Aujourd'hui, je fais des films, on est en préparation sur des courts et des longs. D'accord. Voilà, mais parce que j'aime ça, j'apprends tous les jours. J'apprends. On est curieux, tu es curieux, tu voilà. Cherches et donc, c'est l'esprit même, boss player. Boss player, c'est d'essayer à comprendre, c'est d'essayer d'évoluer, de ne pas rester au point où on en est en fait. D'accord. Sinon, on peut toujours rester au point où on en est et puis dire que, ok, c'est bon, ça va, on sait chanter, d'accord. On sait danser. D'accord, voilà. C'est quoi ton actualité en ce moment? L'actualité, c'est la préparation d'une série télévisée qui va être inter-africaine en fait. Dans la sous-région, voilà, avec différents gens de différents pays. Oui. On a aussi en même temps la préparation d'un clip vidéo qui va se tourner entre Ouaga et Abidjan, qui est vraiment un truc très intéressant. On va filmer complètement Ouaga, on va filmer complètement Abidjan aussi et faire la fusion. D'accord. C'est, voilà, avec Nash et tout, et puis des Burkinabés. D'accord. Voilà. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est sur ces notes que nous allons vous dire au revoir. Portez-vous bien et à demain. Yeah, boss player, baby. Ils ont du mal à montrer qu'ils ne savent pas aller, par exemple, dans un cours d'alphabétisation pour apprendre. C'est pas toujours évident pour ces personnes-là. Hein. Moi, j'en ai rencontré, en tout cas, qui ont du mal à s'exprimer. Bon, tout ce que j'ai à dire, c'est que les gens n'ont qu'à apprendre. Il faut apprendre à chanter, il faut connaître c'est quoi la gamme. J'entends des trucs qui sont faux.